Alléluia. Avant de m'avancer loin, nous mettons ça. Dans mes yeux, pour faire nous confiance, c'est dans mes yeux que je vais faire. Dans mes yeux, pour apprendre le temps de mon Dieu, c'est à mes yeux que mon Dieu a passé avec moi. Amen. Sous le principal, c'est lui, pour apprendre un chef. Mais là, on apprend tant de mon Dieu, pas qu'il y a un obstacle pour toutes choses qu'on court. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Matin, vite tout comme ça. Ou pas doué. Ou pas doué. On va être un bon verbe de pas doué. Nous, 5000 lots là. L'argent avec la vie, ça qui est plus bon. Amen. Et au cas de l'argent, est-ce qu'on va bailler la vie? Non. La vie, c'est le travail de le Seigneur Jésus. Amen. Et mais c'est peut-être ça, nous, matin, ou pas doué. Amen. Amen. Ou même les plus ou pas doué. Parce que tête par la paix déjà. Amen. Oui, ou peut-être pour la peur regarder ce pour marcher. Ou pas une liberté pour faire des autres, non. Mais ou une liberté pour faire ça te marcher à terre. Alléluia. Et pas liberté ou bien pour faire sauver. Mais une liberté pour appliquer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Eh bien, s'entendez. On trouve aussi Frère La Roche avancé. Vous connaissez toujours Frère des conseils. Et pour aller la parole ensemble avec vous. Si j'ai le matin, c'est nous pas douer encore. Amen. Nous pas douer. Sous quoi vous pas douer? Ou a fait tout ça que la parole de Dieu m'a dit ou fait. Amen. Alléluia. On va mettre les bouts pour recevoir la parole là. Nous parlons de tête nous en défaite. Et nous parlons autant de chemins que Dieu lui-même les tracé pour tête nous en paix. Matin, on pas doué. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, sans aller, nous prenons une portion de ça pour la gloire du Seigneur dans Genèse, chapitre 2. Le verset 17, Genèse chapitre 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Fermez yeux, coupez tes doigts. Malgré Père Céleste, l'auteur de la vie éternelle, par une personne qui a parlé de la parole sans baguette l'esprit parle. En dépit tout diplôme que vous avez possédé, sans laisser l'esprit de ne pas prendre rien dans la parole. Amen. Seigneur, mes peuples qui viennent, vous venez entendre ça qui sortit en haut. Parce qu'il y a autant de trop de la chair. Mais Seigneur, retirez-nous de la chair et des sang. Tant pis, que l'esprit, qui c'est seulement interprète pour interpréter la parole, animer, afin que tout ça nous dit va sortir directement dans la parole. Amen. Rien de la chair. Parce que la chair, c'est la mort. Mais ou même, c'est la vie. Amen. On t'en prie Seigneur, saisis ça là, saisis chaque monde qui l'a, fais-le comprendre chaque ça qui dit Seigneur, afin qu'on va apprendre et comprendre au nom du Saint-Verset de Jésus. Amen. Capable Chita. N'a pris cela dans Genèse encore, chapitre 3, le verset 1er jusqu'à 10. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Amen. Que l'Éternel Dieu avait fait. Amen. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Amen. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, alléluia, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Amen. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Amen. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, alléluia, connaissant le bien et le mal. Alléluia. La femme vit que l'arbre était bon à manger, mm-hmm, bon à manger et agréable à la vue. Amen. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Amen. Elle en donnait à son mari qui était auprès d'elle et elle en mangea. Amen. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'il était nu. Amen. Et ayant conçu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Amen. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alléluia. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Alléluia. Eh bien, mes côtés, peut-être la fête.
n'a pas attendu mon Dieu. Je dis à dire vraiment, tout autant, on va répliquer avec la parole, c'est tout autant, on va entrer dans la mort. Tout autant, on va répliquer avec ça la parole de Dieu dit, c'est tout autant, on va dire la mort, viens joindre moi, viens joindre moi. Eh bien, peut-être la fête, c'est parce que Ève lui-même, il était raisonné, amen, avec ça que Dieu dit. Il t'a tout de sa Dieu dit. Eh bien, il fait tête là. Tête ça, il découpe de la vie.